Cerveau. Ah! Non! Dégage, zombie! Tu pues! Et puis ce soir, pas de cerveau! On joue avec des IA, nous! Donc, bonsoir à tous et bienvenue pour ce petit live sur Resident Evil Outbreak, un nom qui peut-être vous dira même rien. Voilà, c'est possible parce que ce jeu-là n'est pas. C'est connu, ça reste un Resident Evil, c'est un épisode canonique qui a été développé par Capcom en interne et tout. Mais malgré tout, j'ai pas l'impression que ça ait tellement marqué son temps. Et pourtant, c'est un jeu, lui et sa suite, qui ma foi, avait des côtés très intéressants. Notamment le fait que c'était, pour le coup, un vrai Resident Evil. Vous savez, maintenant, là, depuis le 4, les Resident Evil sont devenus des espèces de TPS. Caméra à l'arrière, tout ça, là. Et celui-ci, donc Resident Evil Outbreak, vous allez comprendre pourquoi je nous ai laissé sur cet écran-là, était toujours un vrai Resident Evil, avec des angles de vue précalculés, une maniabilité à l'ancienne, un petit peu relou, peut-être, mais bon, voilà, moi, j'aime bien, les nostalgiques aiment bien. Et surtout, c'était toujours des vrais zombies, à cette époque-là. C'était pas les espèces de parasites qu'on a maintenant qui sont assez bizarres. Donc voilà. Alors pourquoi Alors je précise que le jeu est sorti en 2003, c'est sur PS2, donc voilà, ça date un petit peu. Je vous parlerai un petit peu plus du jeu après la cinématique d'intro qui est une des plus belles choses du jeu également. Voilà, c'est aussi pour ça que je ne voulais pas. Je me suis tiré en mode. C'est aussi pour ça que je ne voulais pas. Vous montrer tout de suite le menu du jeu et tout ça. Je voulais lancer le jeu pour que vous puissiez voir l'introduction qui est une des plus belles réellement d'un jeu que j'ai jamais vu avec une musique magnifique. Alors je sais pas si ça va se faire maintenant. Ah, le petit bruit. Ça aussi c'est connu. Oh là là, quand même les logos au début sont pixelisés. Enfin, sont pixelisés, que je dis. Ont un effet d'escalier et d'aliasing. Ça craint. Il n'y avait pas l'intro? Alors faut attendre, je sais pas. Finalement, j'aurais pu vous laisser là-dessus. Donc Resident Evil Outbreak, c'est quoi la particularité de Resident Evil Outbreak? Eh bien en fait, c'est que rien qu'à déjà à l'époque, jeu de 2003. Ce jeu-là misait tout sur le online. Donc en fait, c'est un jeu coopératif de Resident Evil, mais à l'ancienne, voilà, avec des angles de caméra comme cela. Je vais baisser le son parce que c'est pas possible. Voilà. Avec des petites bestioles et tout ça, et je suis tout heureux de voir ça. Et donc, c'était cool, sauf que chez nous, le réseau n'étant pas ce qu'il était à l'époque au Japon, et ben nous, on nous a amputé ce mode, en tout cas sur le premier Resident Evil Outbreak, on nous a amputé de ce mode en ligne. Et du coup, on se retrouve avec l'IA. Ouais, vous savez, il y a des gens qui se sont plaints de Shiva dans Resident Evil 5, vous savez, qui faisaient n'importe quoi. Bah là, c'est pareil, mais fois 3. Il y a 3 IA cons qui vont nous suivre partout. Va falloir faire avec, tant pis. Si on oublie ce petit point de détail, c'est un Resident Evil qui est très, 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 très intéressant. Et je dis bonsoir à Vitaloun, et je dis bonsoir à Rocket. Vous allez bien? Il y a l'or dans live, c'est la compète. Oh, mais souvent! Mais non, c'est de l'amour entre nous. On s'envoie des ondes liveiennes positives. Voilà. On s'entraide. Vous allez bien? Allô? Je suis un public adulte? Tu es un public adulte, Rocket. C'est bon, tu peux venir. Du moins, je crois. En tout cas, tu fais des dessins, pas comme un public adulte, mais je crois que tu es un public adulte. Bon, allez, c'est parti. Et pour cette. J'étais persuadé qu'il y avait une intro, j'imagine qu'elle est arrivée après. Que je voulais pas vendu pour rien, à moins que ce soit sur le 2. Je crois pas. Il y avait une des intros les plus belles que j'ai jamais vues. Je veux trop savoir faire des montages comme dans les YouTube pubs. Tu sais faire ça, toi? Des montages comme les YouTube pubs? Quel genre de montage parles-tu? Info perso, alors moi je crois que ma sauvegarde elle est morte.
collection, tout ça, je dois plus y avoir. De mémoire, on peut obtenir plusieurs personnages, plusieurs tenues pour ces personnages, en fait, parce que c'est un personnage au choix. Il y a évidemment les dossiers de. Les dossiers classiques de Resident Evil. Ouais, non, voilà. J'ai. Voilà, les personnages de base, hein, photo du personnage. Acheter. Ah bon? Pourquoi acheter? J'en ai. Ah, c'est la galerie, d'accord, oui. Oui, c'est juste des photos. Mais ça pue. Ça pue. Ouais, bon. Bon, tant pis, on va peut-être commencer. Un faux perso, ouais, c'est pas grave. Donc, de toute façon, bah oui, pas de mode en ligne. Et même si c'était le 2 que je jouais, qui, lui, quand il est sorti en France, avait son mode en ligne, qui était cool, sur lequel j'ai passé des centaines d'heures. Honnêtement, avec les mêmes potes, on avait chacun un personnage, une sorte de roleplay, quoi. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on voyait un personnage, on savait que c'était tel pote. Et on y jouait tout le temps. Voilà. Et en reprenant, ouais, je le rappelle, toujours le même personnage. C'était vraiment cool de faire ça. Mais celui-là, non, hein, je vous l'ai dit. Donc, Outbreak, scénario ou quelque chose, je sais pas ce que c'est, je ne me souviens plus. Bon, est-ce que on va voir cette magnifique cinématique? Je sais pas, c'était peut-être le 2, la cinématique qui était tellement cool. J'ai refait un dessin aujourd'hui, tu as fait un dessin de quoi? Moi je vais bien. Allez, c'est parti. Épidamie. 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 Une soirée typique au JS Bar, jusqu'à l'arrivée de troubles fêtres. Notre course contre la montre commençait. Oui, parce qu'en fait, c'est un Resident Evil. Comme c'était un truc à jouer en multi, c'était pas une partie qui se jouait. C'était pas une seule aventure en fait. Il y avait, voilà, là c'est le bar, une sorte de bâtiment de mémoire. Il y avait des laboratoires, des choses comme ça. À chaque fois, il y avait des petits scénarios avec des objectifs à faire, avec leurs ennemis, leurs boss, leurs trucs comme ça. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Manu, tu as joué à Friendbow? J'ai vu Lord y jouer. Voilà, je l'ai suivi entièrement chez Lord. Ça, c'est chic. J'arrête. Sacha et Pikachu? Pourquoi? Ah, Sacha et... Ah, d'accord, ok, c'est ce que t'as dessiné. D'accord, tu me disais, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Allez, choisir. Bah du coup, j'imagine que c'est mort. J'aurais pas le droit à la fameuse cinématique dont je vous avais parlé pourtant. Donc voilà, choix du personnage. Alors... Le choix du personnage également est important parce qu'en fait, c'est pas des skills, ils ont chacun des habilités. Et en fait, des personnages, par exemple, pourront se faire un passage dans des endroits où d'autres personnages ne pourront pas aller sans eux. Là, typiquement, je sais pas. On voit que voilà, les ennemis l'attaquent rarement. Lui, par exemple, je crois que il fabrique des armes en utilisant des outils. Mais il me semble également, ou à moins que ce soit dans le 2, je ne sais plus, mais il me semble qu'il a une clé à molette, en fait, ce personnage-là, parce qu'il est plombier, et qu'en fait, il peut ouvrir des passages que d'autres personnages ne peuvent pas. Donc voilà, voilà, c'est la reine du crochetage, elle peut transporter plus d'objets, c'est un peu comme Jill dans le premier Resident Evil, elle peut soigner ses amis, ça c'est cool. Moi, c'est lui que j'avais. Donc Kevin, sosie Tom Cruise un peu, hein. Il commence avec un excellent pistolet, donc ça c'est un avantage qui est génial. Je vais pas le prendre, je vais pas le prendre. Expert avec les armes de corps à corps, c'est génial, parce qu'on est dans un Resident Evil, les armes à feu, il n'y en a pas des masses. Avoir un mec qui est une brutasse, c'est top. Bon, lui, les ennemis l'attaquent rarement. Voilà, c'est. Oui, bah oui, il a un look un peu improbable. Ça peut être pratique, voilà. Le problème c'est que. Si les ennemis l'attaquent pas, ils attaquent les coéquipiers, donc c'est pas forcément un bon. Lui, il peut préparer des médicaments. Et lui, voilà, comme je l'ai dit, il fabrique des armes et des outils. Moi, je vais prendre Marc, qui était pas. Ouais, je l'ai dit, hein, moi je prenais lui avant. Donc, c'est pas mon personnage de prédilection, mais c'est pas grave. Il y a même des infos. Non, il n'y a pas d'infos. Il n'y a pas d'infos, je suppose qu'il faut jouer. Et je vais le faire en normal. Donc, voilà. Branclex! Je le prendrai avec Lex plus tard, je ferai un changement. Oh! Je me tais. Et je vous laisse apprécier. Cette cinématique est la plus belle que j'ai jamais vue, en vrai. Une des plus belles, en tout cas.
J'aime ses cheveux. Alors, elle est jolie cette cinématique parce que, bah, d'une, ouais, vous l'avez dit, hein, la musique est géniale, les transitions entre les scènes sont belles, on voit que tout part des égouts, et aussi parce que ça fait écho en fait à d'anciens Resident Evil, notamment aux deux, parce qu'on voit un combat dans les égouts, contre le docteur Birkin, avec son gros œil là, donc qui était présent dans celui-là. Ça veut dire que vraiment le jeu s'inscrit canoniquement dans la saga Resident Evil, et je trouve ça cool. Si orange, c'est normal, je suis passé sur l'hôtel. Avec les rats qui ont probablement beaucoup beaucoup aidé à propager l'épidémie du virus. Tu manges rien? Hein, Bob? À quoi tu penses? Il est bourré, lui. Ah. Ah, normalement, c'est quand ils ressortent qu'ils sont dans cet état-là. C'est vrai, c'était vraiment cool. Ouais. C'était un jeu qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué, en fait. Resident Evil Heartbreak. Quel client bizarre. Bob, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Allez, bim! Non! On prend plus de clients, fini! C'était quoi ça? Putain, le mec s'est fait mordre. D'ailleurs, le zombie était vraiment, vraiment glauque pour le coup! Je suis énervé, j'arrive pas à voir le live, ça saccade trop. Pour les autres, ça va.
Bah désolé Véro. Là, Ah donc oui, premier scénario dans le bar et tout ça. Et donc ça dure, je crois, trois quarts d'heure, une heure. Moi ça va Manu, merci Vidal. Trois quarts d'heure, une heure, et puis après on passe à un autre lieu. Donc voilà, on a notre pote avec nous et tout. Qui nous suit en étant blessé. Allez, avant que ça rentre. Oh, je sais plus comment on y joue. Ok, je peux. La bouteille est déjà vide. Lui, il a tout compris. De toute façon, autant mourir en étant heureux. Et donc, j'ai trouvé la clé de la salle du personnel. Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Tu peux. Oh, tiens, j'ai pas fait exprès, mais. Pourquoi pas? D'accord. Alors, également. Ah, j'ai un flingue! Et voilà! Il était pas aussi puissant que celui de Kevin! Qui est derrière d'ailleurs, Kevin est avec moi. Je crois que les personnages sont un petit peu choisis aléatoirement, hein, qui vont nous accompagner. Il y en a trois, donc voilà, Kevin qui est là. Putain, c'est hyper sombre, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est super sombre, j'imagine même pas pour vous. Je crois qu'en fait, là je peux barricader. Je peux pas toucher ça là? Oui, c'est ça! Parce que. Non? Les ongles. Ah, je vois qu'il y a un flingue là-dessus. Hop, voilà, je le prends. Je le garderai pas pour moi, mais je le donnerai à un coéquipier. Donc voilà, les zombies vont forcément finir par rentrer. Et donc là, c'est une phase qui nous aidait à vite prendre, à ratisser et à vite prendre ce qui pouvait nous être utile. C'est bizarre, le son est fluide, mais l'image, je suis pas. Ouais, ça va, à part que le chat est très lent. Tu as essayé de recharger, Véronica? Allez. Chabeda de TV. Ok. Donc, bah, pendant qu'ils sont en train de se faire un petit gueuleton, je vais regarder s'il n'y a pas un petit. Oh, je vois un truc qui brille là. Donc, un petit truc à ramasser vite fait. Manuel du jeu 1. Oh, mais le truc, c'est que pendant qu'on le lit, les ennemis, ils arrivent toujours, hein. Oh, il y a une plante. Eh oui, un bon vieux Resident Evil à l'ancienne avec des plantes, quoi. Il n'y en a plus des comme ça. Alors là, je vois une porte, c'est quoi? Ouais, y a pas les. Oh, toilette homme. Il n'y a pas les. Y a pas les fameux. Les fameuses ouvertures de portes en vue FPS qui étaient super longs. Et qui étaient là en fait pour masquer un chargement. Pas dans ce jeu. Tiens, t'es là, toi? Alors attends, est-ce que je ne peux pas te donner. Donner. Voilà. Hop. Parce que bon, j'en avais pas besoin, moi, hein, j'ai déjà un flingue, et elle me sera quand même plus utile en étant. Pistolet prendre. Alors, j'ai qui avec moi? Ouais, je vais le prendre, allez. Elle me sera quand même plus utile en étant armée que. Que non. Putain, t'as des chiottes dans les. Je peux les combiner? Ah ouais, je peux les combiner direct. Voilà, elle sort. Et l'intelligence artificielle fait ce qu'elle veut. Bon, globalement, j'ai pas souvenir d'un truc très mauvais. Elle va même vous aider, tout ça, mais c'est forcément pas la même expérience qu'on a en multi. Multi, je me souviens, sur le 2, par exemple, il y avait des coins, on les connaissait, nous. Il fallait qu'on s'attende, parce qu'on savait qu'on avait besoin de tel ou tel personnage avec telle ou telle habileté pour passer. Bon, bah là, il y a. Voilà. Alors, pendant que ce monsieur arrive pour manger, je me barre. La serrure a l'air vieille. Mais, m'en fous de ça. Tu disais? Ah, tu n'utilises pas le. Ah, je me souvenais plus de ça. Tu as tes règles, Geeky Pack. Je suis chiant en ce moment, moi. J'aurais pensé à la même chose. Mais après, Geeky va dire que je me fous de sa voix, que je le prends pour une fille. Alors, moi, je m'en fous, je dis rien. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh! Voilà, eux m'ont suivi. Ah donc c'est deux coéquipiers qui sont avec nous, pas trois. D'accord. Putain, on entend là-haut que c'est le bordel. Il y a un zombie qui essaye d'ouvrir la porte ici. De mémoire, je peux. Oh, oh. Alors, vous voyez ce. Vous voyez ce cercle. Oh putain, je vois que dalle. Ce cercle-là, qui était à droite avec des. Je sais pas, il y avait des trucs dedans, des bactéries, des trucs comme ça. En fait, c'est le niveau d'infection. Si on arrive à 100%, et ça, c'était une trouvaille du jeu qui était cool.
Mais pas sur ce jeu-là. C'était cool. Non, je vais revenir en arrière parce que je crois que j'ai loupé une porte. C'était cool quand on joue avec d'autres joueurs. C'est qu'en fait, quand on atteint les 100%, on devient un zombie. Et là, le but du jeu, c'est plus de s'échapper, c'est de bouffer ses potes. Et ça, c'était cool. C'était vraiment cool. Putain, je vois que dalle. Waouh. Ouais, ça commence à être le bordel. Putain, je vois que dalle, mais c'est tellement sombre. Manu, tu as fait quoi pour le 31? Oh, moi, j'étais avec de la famille. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Tu me trouves chi... Ah, tu me trouves chiant en ce moment? Non. Non. Je me suis pas fait cette réflexion, Kiki. C'est quoi ça? Ça là. Putain. Alors voilà, c'est vraiment l'expérience à l'ancienne, hein, Resident Evil. Mais putain, c'est tellement dommage qu'à l'époque, ils aient pas rendu cette option online possible. Alors c'est vrai que le réseau sur PS2 n'était pas. Voilà, moi j'ai été parmi les joueurs qui jouaient en ligne sur PS2 et waouh, c'était compliqué. Alors, je crois qu'on peut se planquer sous le lit. Peut-être quand un zombie arrivera, ou alors il faut. Ah, j'ai un plan, j'ai déjà mémorisé. Tiens, un zombie. Ah, cet espace est trop petit pour vous. Je peux pas. Bon, bah, je m'en fous, je me casse. Voilà. Je lui passe au travers du zombie. C'est pas grave. Ouais, donc j'aurais été une fille ou voire Jim. Jim, c'est Klex, hein, c'est le black aux cheveux blonds. Bah, j'aurais pu me cacher sous le lit et rester là tranquille. Oh, ce virus dont j'ai parlé tout à l'heure, il augmente. Ah oui, les barricades. Si j'ai une clouée, je peux barricader la porte. Voilà, ce virus qu'on voit là, qui a 7, 24%, 26%, il augmente tout le temps. Et donc, en fait, c'est une course contre la montre de réussir ce jeu. Puisque même si vous faites rien, si vous ne faites pas toucher, vous finirez tout de même pour devenir un zombie. Donc, ouais, il faut vraiment se grouiller. Donc, voilà, je pense que je vous ai parlé des. Je vais parler pas mal des mécaniques du jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Cindy est écrit. Alors, Cindy, je crois que c'est la serveuse. Des balles de pistolet. Oui. Alors, attends, je vais donner. T'as quoi sur toi, Kevin? Alors, Kevin, je vais te filer ça, un spray. Voilà, il vient de chercher direct, hein, il est content. Ouais, mais j'ai un flingue de trop là. Ah ouais, mais il me serait. Je vais l'équiper. Je le jetterai. Si vraiment, enfin, au bout d'un moment. Ah, d'accord, ça c'est pour se planquer, cet espace tout petit pour vous. Avec les Playmates 1986 sur le mur, hein, n'est-ce pas? Et une photo de Jésus, je sais pas quoi. Ou alors c'est moi. C'est peut-être moi. Bon, bah allez, je me barre. Pour moi, le 31, je me suis fait fuf. Mais bien quoi, tu t'es fait chier mon pauvre Geeky. Donc celle du personnage là. Allez. Ah ouais, ça aussi. Les chargements sont relativement corrects encore, ça va. Donc ça c'est quoi déjà? Une marque bleue. Oh, putain, ça on reconnaît bien les mécaniques Resident Evil, hein, marque bleue, tout ça. C'est quoi ça là-bas? Là je vois un truc là, qui traîne. Ah! Une clouse! Attends, Cindy, viens, viens là. Cindy. Tiens, prends ça, je te donne ça. On voit que Cindy, en plus, elle est sur attention. Est-ce qu'elle va venir le chercher ou pas? Non, elle s'est barrée. Connasse. Bon, tant pis, je vais prendre cette herbe verte et la cloueuse. Voilà. Oh, punaise. Oh, punaise. Waouh, 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 waouh.
Alors pourquoi l'utilité de prendre la cloueuse, là je fais ça juste pour vous le montrer, mais en fait c'est que... Qu'est-ce qui se passe? Ah, direct, dès que j'ai pris la clause, il s'en est servi. Voilà, c'est que là, en fait, je vais barricader la porte. Une barricade éphémère, hein, les zombies vont finir par, par la briser. Mais malgré tout, ça peut nous aider à gagner du temps, et puis à récolter des objets, des trucs comme ça. Donc ouais, c'était vachement cool. Allez, chargement en cours. Voilà. Je crois que j'ai quand même malgré tout les zombies avec moi. Ça, je le jetterai à la première occasion. J'entends que... Voilà. Ok. Elle est dans quel état, elle? Putain, elle est sur attention, quoi. Tiens, je te donne ça. Ah, tu... Oh! Voilà. Ok. J'en suis où de mes armes? Ah là, j'ai plus de flingue. Je peux pas le... Donner! Tiens! Prends! Je te le donne! Comment se servir de ses coéquipiers comme d'une poubelle? Et je m'équipe de mon flingue à moi. Il va falloir que je fasse gaffe parce que j'ai plus de... J'ai plus d'herbe là sur moi. J'ai tout donné à mes collègues. Attends, je vois une... Non, c'est pas une herbe rouge, là? Oui. Bon, je vous le rappelle, hein. Herbe rouge, si on la mélange avec l'herbe verte, ça nous donne un soin parfait, quoi. Il doit que ça pue. Pourtant, je n'acque pas chez Lord. Ouais, c'est des choses qui arrivent des fois. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faudrait que je baisse un petit peu... On en voit. Alors, oh, j'ai trouvé un aquarium. Des poissons tropicaux. De quelle espèce... Oh, putain! Ah, je l'ai pas pris. Oh là là. De quelle espèce sont-ils? C'est le mec qui se pose les bonnes questions au bon moment, quoi. Alors là, il y a une herbe bleue. Putain, va vraiment falloir que je fasse gaffe. L'herbe bleue va pas m'être super utile. L'herbe bleue, elle soigne le poison. Les photos du patron. Il y a un trou bizarre dans le mur. Hop. J'aime pas trop Resident Evil. Oh, ah, j'aime trop, pardon. Ah, mais celui-là, tu le connaissais, Véronica, ou pas? Parce que c'est vrai que c'est particulier, hein, Heartbreak. Vous avez vu, j'ai profité de... Voilà, j'ai senti le danger, je me suis dit, je vais me faire avoir. Je me casse. Et lui, là, il patrouille, hein. Il y a un tableau de score fléchette, prendre. Ah oui, c'est vrai. Il y a des... Oh, punaise. Il y a des objets spéciaux un peu partout, et si vous réussissez à les récolter, vous obtenez quoi? Des tenues, je crois, des skins, des choses comme ça. Peut-être même des armes originales. Je sais pas vraiment, en fait. Alors, salon, c'est quoi ça? Briquet, prendre. Ouais, parce que certainement qu'il me sera utile, celui-là. Putain, regardez ça, quoi. C'est quoi ce machin là? Oh là là. Ah, c'est les corbeaux. Oh, attendez, j'ai pas vu des balles. Ah putain, ouais, c'est des balles ça. Ouh. Ça m'intéresse. Balle de pistolet. Verrouillé par un cadenas. Alors, je sais pas comment on l'ouvre. Il y avait peut-être une clé à trouver quelque part. Ou alors, c'est la billette d'un. Quoi ça? Tuyau de fer? Ah, tuyau de fer, moi, ça peut m'être utile. Parce que moi, je suis un... Je tape sur les ennemis... voilà. Très fort, donc en fait... Non. Ah, puis j'avais oublié, il faut que... Oui, il faut que je désactive les vibrations. Voilà. Alors. Yep, mais là j'ai fait. Mais je l'ai pas fait vu que les buts d'un VSP dessus et les maps de Resident Evil. D'accord. Bah, en parlant de maps de Resident Evil, il me semble que.
on croisait dans ce jeu des environnements connus en fait dans Resident Evil qu'on avait déjà vu avant. Mais alors, je sais pas où elle est là. Help me, please. Attends, mais c'est moi qui suis en danger là. Je sais pas où elle est. Ah bah voilà, tu décides à te servir de ton flingue. Je sais pas quoi faire. Je suis censé aller où? Putain, puis elle, ça y est, regardez. Allez, ah, c'est pas ça. Reprendre. Non, reprendre. Deux secondes. Manu, c'est fini, N plus 1. Non. Petite pause de vacances. Alors. J'ai quand même de gros soucis avec ma manette PS2 qui a son fameux problème de vibration qui font paniquer le jeu à mort. Voilà, ça devrait marcher maintenant. Alors je disais... Putain, comment on fait déjà? Ah oui, il y avait aussi des emotes, on peut parler. Comment j'ai fait? Ah ouais, c'est ça. Et je crois qu'en... Enfin, il y a possibilité de dire plein de choses, d'appeler des personnages, enfin... Bon. Mais comment je fais? Ah, ben voilà, c'est là. Donc Cindy, elle est en danger, elle va bientôt crever. Je peux pas lui demander de donner ça. Pff, tant pis, hein. En tout cas, c'est que je sais pas où elle est, moi, avec mon... Enfin, elle se barre, elle va crever dehors. Très bien. Le streamer se barre au calme. Oh, il fait trop sombre pour voir, on entend des gémissements. Alors peut-être que... Non? Non. Putain, je sais pas du tout. J'ai pas vu d'autres portes. Et là, ça doit être les bourrés à ras morts de zombies, quoi. Cindy peut pas se soigner. Médic de merde, décidément, dans les jeux, les médics sont pourris. Voilà, ils peuvent soigner les autres, mais pas eux-mêmes. Je sais pas comment ça fonctionne, mais il me semble que Cindy, elle peut soigner si elle a du soin, hein, c'est tout. Elle doit soigner quelque chose, genre plus efficacement, je sais pas quoi. Mais regarde là, elle est en train de... Puis ça y est, ma barricade a pété là-bas. C'est quoi ça déjà? La marque bleue. La marque bleue, il faut que je trouve une clé. Putain, j'ai pas vu de clé. Et je précise que les zombies vont arriver sans cesse. Je me souviens plus où est la clé, moi. Ah, c'est quoi ça? Balle de pistolet? Oh! Bah voilà, clé à étiquette bleue! La gazette de Raccoon? Oh là là! Tiens. Allez, vite, vite, vite. J'ai besoin d'aide, ta gueule. voilà, démerde-toi. Cindy, elle a dû crever toute seule en bas, on s'en fout. Allez, vite. C'est super chaud. Ouais, je me souvenais pas d'un truc super chaud. Et je sais pas si vous avez vu, mais l'inventaire, il est ultra limité. C'est... L'inventaire, c'est 4 places, plus une place bonus, qui est l'objet qui est avec vous depuis le départ, et c'est tout, quoi. Je vais voir par là-bas ce qui se passe. Mais ouais, le jeu, il est super dur. Faut dire aussi qu'il est hyper rétro, Raccoon. Eh oui, ça se passe encore, Raccoon City. Et il est rétro dans sa difficulté aussi, quoi. Je crois que j'ai besoin d'aller ici pour récupérer une clé de mémoire. Mode solo. Non, je lis pas. Oh! Attendez. Sauvegarder? Oh, je me souvenais plus qu'on pouvait sauvegarder. D'accord. Bon, ça m'intéresse, carrément. Surtout que je suis pas en... Je suis pas... Voilà, ça se passe mal quand même. Donc, ouais. Ça va être pas mal. Oh, un spray, c'est cool! Et voilà, la fameuse clé
du chariot de je ne sais pas quoi. Je suis haut au niveau de ma vie? Ouais, je suis en attention, bah hop. Voilà, et je reprends le briquet, parce que je ne me souviens plus, mais possible que ce soit utile pour la suite. Un simple briquet dans Resident Evil, ça peut être. Ouais, c'est MacGyver, hein, les mecs dans Resident Evil, ils te font n'importe quoi avec ça. Mon cosplay de Jill avance pas. T'as fait un cosplay de Jill? J'ai joué à Resident Evil 6. C'était de l'âme. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont craché sur Resident Evil 6. Moi, je le trouve pas si honteux que ça. En tout cas, je me suis bien marré dessus en multi, voilà. Et moi, j'ai joué avec des amis et ça se passait très bien. J'ai joué avec Apasora, notamment. Ah, elle est toujours vivante, elle! Bouteille de l'alcool. Non. Ça, c'est quoi? L'entrée est complètement fermée, impossible. Et ouais, non. Oh, punaise, ça, c'est cool. Ça me fait un soin. Je vais lui donner à elle. Elle est où? Elle est où, elle? Tiens. Normalement, voilà, ça va la soigner complètement. Mais non, mais pas toi, connard! Mais t'es con! Mais... Demandez! Putain, mais t'es con! Putain, le mec, il est flic, en plus. Ah! Hop là! Ouais, meurs! Ah non, je peux pas, je crois, parce que... Qu'est-ce que tu fais? On entend Kevin qui est en train d'en chier. Non! Vous avez vu, ils aident pas mal quand même. L'intelligence artificielle est pas pour... Ah putain, puis oui, j'avais oublié ça, mais... Les armes s'usent au bout d'un moment, les armes corps à corps. Alors là, elle va mourir. Typiquement, si je l'aide pas, elle meurt. En fait, en ce moment même, il y a sa barre de progression qui est en train de progression du virus qui est en train d'aller à fond. Oh putain. J'avais plus de balles? Wouah, ça craint. J'ai plus de balles. J'ai besoin d'une clé. Tiens. Actionner le levier. Ouais. Ok, c'est fait. Oh, des balles. Des balles, des balles, des balles, des balles. Ouais, mais il faut que je les garde, les balles. Ah non, c'est une herbe bleue. Oh, putain. Ça va mal se passer, cette partie. Ça va mal se passer. Elle va mourir. Voilà. Lui, il s'est barré tout seul, hein. Il s'est dit, allez, c'est bon, j'ai compris. Je reste pas avec ses boulets. Je sais pas ce qu'il m'a dit, là. Elle fume. Ah, en train de dire des choses. Elle est à l'agonie, mais elle dit quand même des choses. Eh ben, toutes mes clémentines étaient bien dégueu. Ok. Moi, j'ai joué seul. Ah, c'était pour ça aussi, Geeky. Mais Resident Evil 6, c'était pas non plus si immonde. C'est vrai qu'il a sale répute. Mais je pense qu'il a sale répute auprès des fans qui sont nostalgiques seulement. Voilà, c'est les mecs qui sont là, qui se disent, putain, mais moi, ce que j'aimais, c'était les vieux Resident Evil à l'époque, à l'ancienne et tout. Comme celui-là, avec une vue comme ça, en tout cas. Et ils aiment pas le changement, hein, les fans. Et je pense que c'est ça qui fait que ça l'a pas fait. Bon. Alors, je me retrouve avec qui, là? Putain, Marc, je suis en attention. Oh, je vais attendre un petit peu avant... C'est une blague? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ouah! Je me barre. Putain, il m'a dégueulé dessus. Oh, sale des spiritueux. Ouah, ça va tellement mal se passer pour moi, je vais crever. Je vais mourir, là. Ah, je sens que... Je vais vite utiliser mon soin. Voilà. Si j'ai des balles, là... Mais qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que je fais, là? What? Ah, bon, Cindy est morte. Désolé, rip.
Ce qui veut dire que dans peu de temps, en fait, si on attend, elle va finir par se transformer en zombie et par vouloir me mâcher le cul. Je trouve pas les trucs pour le pistolet. Ah, d'accord, tu veux un holster. J'arrive pas à le faire toute seule. Oh, mais ça s'achète, ça. T'as des vieux holsters en plastique, mais bon, ça va. Ça... Ah, visuellement, ça le fait. On dirait du cuir un peu. Qui sont vendus sur eBay, un truc comme ça. Moi, j'aime bien les clémentines quand elles sont sucrées. Ça fait bizarre, hein. Vous savez, c'est aussi un prénom, bande de dégueulasses. Manu, la compassion quand il perd un de ses compagnons. Mais elle avait qu'à être moins con, bordel. Je lui ai filé un soin que l'autre putain d'égoïste a pris pour sa gueule. Mais elle aurait pu se dépêcher de le prendre, quoi. Je veux dire, quand t'es mourant. Mais qu'est-ce que. Ah, d'accord. Angle de caméra, merci. Tu m'avais caché ça. Clé de la réserve. Or, la clé de la réserve, vous savez quoi? Je crois qu'il faut redescendre, genre, tout en bas, un truc comme ça, et on trouve une super arme. Je sais plus exactement ce que c'est. Clé de la réserve. Ouais, je crois que c'est le placard. Ouais, c'est le placard. Le fameux placard, il y en a qu'on voit à un moment. Et il y a peut-être une arme qui coule à l'intérieur, ou je sais pas quoi. Est-ce que j'y vais ou pas? En sachant que ça craint pour mon cul, là, quand même. Et je sais pas du tout où est Kevin. Alors lui, il a dû se barrer tout seul de son côté. Bon, écoutez. Je vais aller récupérer ouais, ce truc. Je crois que c'est un fusil à pompe de mémoire. Cul, qu'est-ce qui t'arrive, Geeky? Je crois que c'est un fusil à pompe de mémoire et. Et ouais, ça pourrait m'être plutôt utile. Il y a des bouteilles aussi, on les voit, il y a des bouteilles d'alcool qui traînent un peu partout. Il me semble que c'est ces bouteilles d'alcool-là que je dois mélanger avec le journal que j'avais vu tout à l'heure pour faire des cocktails Molotov. Hein. Je le ferai pas, mais remarquez, ça pourrait être très utile de le faire. Ouais, je vais essayer de le faire, tiens. Je crois que c'est le journal. Ouais, il me semble que c'est le journal, je crois pas qu'il y ait de tissu en fait. Donc voilà! J'en chie un peu! J'en chie un peu quand même. Par contre, bizarrement, il n'y a plus un zombie. Il n'y a plus un zombie, il n'y a plus un compagnon. C'est un voyage solitaire, quoi. Il n'y a plus personne. Ah! Lui, s'il essaye de gratter à la porte, il me semble que ça veut dire que je vais y aller doucement. Il me semble que ça veut dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, normalement. Je vois pas un zombie essayer de rentrer dans une porte où il n'y a personne. Donc, je sais pas, ce serait étonnant. Alors, ce serait bien que quand même, ils réussissent à passer ce scénario-là pour passer au suivant. Voilà, si je meurs, c'est chiant. C'est lequel le Resident Evil avec le roux? Léon est roux dans Resident Evil 2. Voilà, verrouillé par un cadenas, ça serait ça? Non, c'est pas ça? Attends, non, c'est pas ça. Et puis j'entends derrière le. La gazette de Raccoon, ouais. Non, putain, là. Ah, lâche-moi. La réserve. Putain, je sais pas où elle est la réserve. Ça aurait pu m'être bien utile, mais ouais, je vais pas prendre de risque, je vais me barrer. C'est quoi ça là? Y a pas des choses qui. Il n'y a rien d'intéressant ici. Il a une tête de psychopathe. De qui bon Marc? Mais non! C'est un honnête agent de la sécurité. Je suis dégoûté parce que là, ça se passe vraiment, vraiment mal, quoi. Je veux dire, j'ai plus de munitions, j'ai un compagnon en moins. Je vais aller sauvegarder. Plus de ruban, vous avez vu? Ils ont quand même fait cette concession-là, c'est-à-dire c'est déjà suffisamment difficile. Donc ouais, plus besoin de ruban encreur pour sauvegarder maintenant. On fait ce qu'on veut visiblement. Je me souvenais déjà plus qu'il y avait des machines. Je pense que ces machines-là, ils les ont ajoutées juste pour notre version à nous.
parce que bah quand on est en mode multi, on peut pas trop sauvegarder, il n'y a pas d'utilité à sauvegarder, vu que s'il y en a un qui meurt, il peut pas revenir, quoi, ça serait idiot. Il y en a un qui meurt, il meurt, et il tue les autres. Donc ça, je pense que c'est un truc qu'ils ont rajouté juste pour nous. Remarquez, il y avait peut-être un... Ouais, je pense que même... Ouais, si, de toute façon... il y avait quand même, de toute façon, toujours un mode solo avec ce Resident Evil-là. Outbreak avait aussi son mode solo, où on se tapait les l'IA débile. Mais bon, voilà, on pouvait le faire. Alors, normalement, voilà, si je ramasse ça... Je crois que... Combiné... Ok, voilà. Journal plus bouteille. Et... Oh, putain, 5 cocktails Molotov. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, là, il y a elle, toujours. Bonjour. Ça va? Putain. C'est dans Révélation. Ah, oui. Dans Révélation, le roux avec la coiffure improbable. Ah ouais, c'est dans Révélation, celui-là. Là où, voilà, quand tu te dis que quand même les chara-designers de Capcom ont quand même un peu pété un câble. Bon, bah tant pis, je me souviens plus d'où est cette cache, et ouais, j'aurais bien voulu savoir. Alors, je suppose que Kevin s'est barré sans moi. Alors, il me semble qu'il y a, une... L'intelligence artificielle réagit en fonction de ce que vous avez fait pour elle, si vous l'avez aidé, tout ça, il sera là pour vous. Sinon, il va se barrer. Je crois qu'il y a un truc comme ça, pas sûr. Et ce qui m'a... Merci. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a un boss, quoi. Chaque... ouais, il me semble bien que chaque chapitre se concluait par l'arrivée d'un boss. Ah, mais t'es là! C'est lui, il a fait le con tout seul, et voilà. La clôture est endommagée. Si je fonce dedans, il a dit. Lâche-moi, putain, les corbeaux dans Resident Evil, c'est les... Comment on fonce? Est-ce que si je fais comme ça? Non, ça m'étonnerait. Je crois qu'il y avait une... Je crois qu'il y avait une sorte de charge, ouais. Tenez vos positions. Bon, bah, je sais pas. Ouais, bah, écoute, t'avais des soins sur toi. Stockage? Comment? Ah, mais lâche-moi! Putain de corbeau, quoi! Épanouir les courriers, vibrations. Comment on fait? Configuration de l'écran, paramètres par défaut. Reprendre. Faut m'aider. Ouais, j'arrive. Alors là, en fait, quand il est en train de se traîner, comme tout à l'heure, je peux lui donner un coup de main. À moins qu'il faut... Ouais, si je suis déséquipé, peut-être que... Ah, c'est ça! Oh, c'est complètement con. C'est complètement con. Bon, je vais mourir. Hein. Merci, je suis folle, j'ai vu que c'était un Resident Evil. Ah, ouais, c'est ça. Je sais pas si ça marche avec tous les personnages, ça. Je vais me faire tuer par un corbeau. Ah! C'est la mort! C'est la mort! Bon, c'est pas grave, j'ai sauvegardé. Mais maintenant, je sais comment faire pour m'en sortir. Il n'empêche que là, c'est la mort. Ah non, pas encore! Attention, citoyens, à cause des émeutes, cette zone sera fermée dans quelques minutes. C'est le scénario qui continue, tout simplement. Veuillez vous rendre à cet endroit immédiatement. Si vous tardez, nous ne pourrons plus garantir votre sécurité. Oh mon dieu! Un VIP ce soir. Bonsoir mon Klaxou. Comment que ça va?
Bienvenue, bienvenue. Est-ce que tu fais un live après, toi, au fait? Excuse-moi, il me semble que tu m'avais dit que tu recommençais aujourd'hui. J'attends ce jour avec impatience. J'ai barré ce jour sur mon calendrier, mais j'ai peur d'avoir fait une erreur. Bon, besoin d'un coup de main, tu attendras. Tant pis pour toi. Alors, je sais pas si les zombies peuvent me rejoindre ici. Par contre, il y a les corbeaux, quoi. Ah, ça y est, c'est la mort. Alors là, mon seul espoir, c'est qu'on vienne m'aider. Par contre, comme je suis tout seul là sur ma plateforme et que Kevin est certainement en train de mourir dans un coin, on viendra pas m'aider. Donc je vais mourir. Ça va. Je prie pour avoir du courant pour stream. Prie. Je prie. Tu as pris quoi pour avoir... Je le prie pour avoir du courant sur stream. Oui, de prier, oui, ça va, je vais comprendre. Bon, bah voilà. Et c'est ainsi que s'acheva l'aventure de Marc. Bon, aussi je vais vous montrer ce que ça fait quand on meurt, mais je crois qu'il n'y a rien de spécial. Il me semble qu'il y avait une vieille cinématique où on le voit en train de se transformer, c'est tout. Peut-être qu'on ne le voit pas, c'est peut-être dans le 2 ça aussi. Je fais confusion facilement maintenant. Bah non, voilà. C'est le fameux mort. C'est même pas vous êtes mort comme dans les anciens Resident Evil. Alors... 160 points, quitter... Non, non, je... Non, non, je ne... Non, je ne sauvegarde pas. Oui. Je vais récupérer ma sauvegarde. Mort ! Je vais récupérer ma sauvegarde, je vais voir si... Je peux pas continuer quand même ? Que moi, maintenant que j'ai compris, voilà, donner ça à rien trouver, oui, je veux bien. Donc maintenant que j'ai compris comment fallait faire une charge, normalement ça devrait le faire. Il n'empêche que j'ai quand même pas de soin, que ça craint. Mais bon. Ouais, on va voir. Bon, ça se passe bien en fait, il n'y a pas de saccade, de choses comme ça. Moi qui essaye d'avoir un truc ultra, ultra fluide. Voilà, hier par exemple... En regardant la rediff, c'était super beau, voilà, la fibre, tout ça. Mais il y avait des légères latences, et c'est des choses que je tiens à éviter. Donc si vous trouvez que c'est pas très stable, je ferai en sorte que ça aille mieux pour les prochains lives. C'est fluide, c'est beau, tu me déprimes. Non, je saccade plus. Non, mais quand je parle de saccade, c'est de saccade, très légère saccade dans l'image, qui sont en fait dues au fait que mon ordi n'est pas assez puissant pour gérer tout ça. Donc je peux pas le mettre au max comme j'avais essayé de le faire. Donc, alors attends, il faut... Oh putain, ça c'est chiant par contre. Il faut se déséquiper de son arme. Ah, et puis là, je saigne une... Mais bonjour Cindy. Cindy, Cindy, Cindy. Il faut se déséquiper de son arme et faire la charge comme ça, quoi. Et j'ai gardé tout de même... Hop. Mes cocktails Molotov sortent sans doute pour le boss. Ordi. C'est un Mac aussi. Pas beau de critiquer. C'est vilain. Alors, escalier deuxième, toi. Le retour du perfectionnisme. Et c'est bien d'avoir un live de qualité mortelle. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Erta, pourquoi? Pourquoi Erta? Alors, je crois que là... Ah oui, je vais me faire harceler déjà... Par les zombies qui se trouvent ici, si je me souviens bien. Je cours. Hop là. Oh, 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 ils m'ont pas eu comme tout à l'heure. Mais ils m'attendaient quoi, bande de bâtards. Alors, je m'en fous. Là, normalement, il y a un autre zombie, mais voilà, il y a Kevin. Oh, Kevin, il est en meilleure santé que tout à l'heure. Ça se passe mieux quand même. Alors, et là, j'ai plus qu'à espérer qu'en fait, il occupe le zombie. Mais non, mais... Voilà, il l'occupe. Il l'occupe, c'est bien. Voilà, continue de te faire grailler. Ah, bah, on va se retaper la petite cinématique qu'on a vue tout à l'heure. Allez, franchement, je suis pas certain de faire quelque chose de cette partie. Hein. C'est... Ça va être un peu difficile. C'est Bordeaux, un truc dans le genre, la pub. Ah oui, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Mais oui, c'est pas Erta. Erta, c'est la petite musique calme. C'est pour ça que je comprenais pas. Erta, c'est... Nous n'aimons... Attends, non, c'est...
Nous aimons les choses simples. Ah oui, je confonds, oui, ben oui. Et Erta, c'est des pubs où tu manges des saucisses dans l'herbe. Sous un gland. Ben non, sous un chêne, c'est mieux. Sous un gland. C'est possible aussi, mais... Voilà. Allez, dégage, corbeau à la con. Putain, y a Kevin qui est en train de mourir. On peut voir des lampadaires, impossible, je sais pas quoi. M'en fous, je me casse. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Putain, il m'a fait peur ce con. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Et puis putain, il y a un chrono qui s'est mis là. Je dois me grouiller. Un réservoir d'eau potable. Je vois rien. Ah, je vois rien. Je sais que je me fais agresser par contre là. Allez, bordel, corbeau à la con. C'est quoi ça? Il a rien sur lui, lui. Oh, putain. Couché, Kiki. Un gland géant qui fait tomber des chaînes. Exactement. Ça serait joli, un petit gland avec plein de chaînes qui poussent dessus. Enfin, un gros gland. Pisse des chaînes par le gland. Ah, ça doit faire mal. Alors, une sortie de secours, elle est complètement bloquée. Oh, personne dans l'ascenseur? Non. 1:22:08, va-t-il y arriver? Est-ce que Marc va survivre et pouvoir venger ses amis? Putain, mes deux potes sont morts. Oui, parce que là, Kevin est mort. Hein. Il était par terre. C'est-à-dire que j'aurais pu le ramasser. Mais j'ai pas eu envie. Manu, quand il trouve une herbe... Regardez, herbe verte! Ouh. Ah, le pistolet. Ouais! On dirait que c'est cloué. On dirait que c'est verrouillé. Je vois que dalle, je vois rien. Oh. Bonsoir, Vibroski. Tiens, en plus, je suis dans ta thématique, mon cher Vibro, avec les zombies, tout ça. Voilà, des zombies. Oh mon dieu, des zombies, des vrais. Et pas des zombies, et pas des comment dire, des parasites, comme dans les Resident Evil actuels. Voilà. Ah, oh, oui. Combiné. Le mec qui fait comme s'il n'y avait pas un temps, là. Ah. Quoique, en fait, le chrono a disparu. Ah, ça doit vouloir dire que c'est bon. Je crois qu'il y a un boss, quand même. Aurais-je réussi? Incroyable que vous soyez toujours en vie, malgré la situation. Il a parlé en anglais, je déconne, au début. Ça a été sous-titré en anglais, non? You startled me. On a besoin d'aide. Déplacez la voiture de police. Je vous couvre. Ah bien, ça marche. Avec la cinématique qui ne montre pas les personnages comme ça, vous pouvez choisir n'importe lequel, ça marche. Vivoti qui crie qu'il y a un zombie. Ça vaut moi qui crie, un noir. Raciste. Bonsoir, Sikur. Sikur, il a Sikur. Je dois faire quoi? Le mec qui a tout compris. J'ai vu un truc qui brille, là. C'est ça que je veux récupérer. Je veux... T'es sûr que je dois monter? Alors je dois pousser cette bagnole qui est là-bas? C'est pas possible, il y a des zombies partout. En plus j'ai pu... Mais j'ai oublié de faire mes bouteilles là, bordel. Et heureusement que tu me couvres toi derrière. C'est... Je te couvre. Hop là. Vous avez cru m'avoir. Bonjour. Serait-il possible que tu me couvres, s'il te plaît, connard?
Non? Et lui, il en a rien à foutre, en fait. Il fait... Ah, mais c'est cette voiture que je pousse. Oui, effectivement, c'est plus logique. Mais moi, j'ai vu une voiture au fond, je me suis dit... Il y a un moyen de mettre les pseudos super vite comme Twitch. Bah, il faut mettre l'arrobase. Faut mettre l'arrobase et puis la touche tabulation. Ah, je me fais courser par un zombie. Peut-être un zombie concessionnaire qui n'aime pas qu'on touche aux voitures. Je ne sais pas. C'est bon? C'est bon, monsieur! J'ai poussé la voiture! Et vous êtes en train de mourir. Ah! Ah, parce que le mec, ça te dérangerait de l'aider un peu, hein, on dirait. Alors peut-être que j'arrive pas à pousser la voiture au fond parce qu'il y a un zombie qui est devant. Putain, il en mousse ton fusil à pompe, mec. Ça y est, c'est bon. Allez, on se casse. Une barricade bloque le passage. Et là, un cadenas décoré est attaché à la porte. Je dois faire quoi? Peut-être que, ouais, peut-être que j'arrive pas à pousser la voiture parce que... Et c'est ça le... Ah non, c'est bon, voilà. Fallait rien faire. Devant le GS Bar. Et le stream qui charge pas, je fais quoi? Alors ça, c'est cœur. Toutes mes confuses. Si le stream ne charge pas. Ça y est, ah, il m'a ouvert la porte dorée. Je vois. En fait, il ne doit pas y avoir de boss ici. Il me semblait pourtant qu'il y avait un boss à chaque chapitre. Je sais plus. Merci, copain policier blond. Oh putain! Ah! Des balles. J'aimerais bien avoir des balles. Ah d'accord, c'est comme ça que tu ouvres la porte. Copain, t'aurais pas, t'aurais pas des balles sur toi? Parce que je... Je suis un peu à sec. Oui, je suis un peu à sec. Il y a mon taux de virus qui commence à grimper dangereusement. Je suis à 50%. Bientôt, je vais te bouffer la gueule. Oh, oh, par contre, ça, ça m'intéresse. Voilà, tuyau de fer. Vas-y, copain, couvre-moi pendant que je prends mon tuyau. Non, c'est pas sale ce que je suis en train de dire. Oh tiens. Oui! Non! Derrière l'appartement. C'était dur. Enfin, celle-là, il n'y a pas d'emoji qui pleure. Si, c'est seulement 5 euros par mois. Le connard, quoi. Merde! Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Hé! Hey, c'est Clint Eastwood, le mec. Vous feriez mieux de vous barrer. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est un réservoir d'essence. Utilisez-le pour brûler ces pourritures. Allez-y. Mais je crois que j'ai encore mon briquet sur moi, donc ton briquet, qu'on fout. Bon. Bon. Oh mon Megan pète de la joie. Bonsoir à toi, ma minette. Comment ça va? 5 plus 5 plus 5. Plus 5, trop pour ma future PS. Hein? Et qui tu dis? Alors, il semblerait qu'il y a un, oui, un réservoir, il y a des zombies juste en dessous. Oui, j'actionne la valve! Oh, regardez-moi cette eau magnifique. Enfin, cette essence. Voilà. Et comme j'ai mon briquet sur moi, je vais pas me casser le cul. Normalement, il aurait fallu redescendre jusqu'à lui avec plein de zombies et tout, prendre le briquet, revenir, enfin bref, la galère. Donc ouais, on s'avance quand même pas mal. Puis comme ça, grâce à au briquet, je peux... Grâce à le briquet, grâce au briquet, je peux... Mais je l'utilise où? Mais il veut pas. C'est risqué d'utiliser un briquet, il va te faire foutre.
Mais je... Bah bordel. Peut-être qu'il faut que j'utilise... Il va le lancer. Genre la classe. Si j'utilise de là. Là, ici. Ok. Voilà, c'est exactement ça. Bon, je vous dis bonsoir à tous. Je vais regarder un film. Des bisous. Bonne fin de live. Merci à toi, Geeky Pie Dada. Des bisous à toi. À bientôt. J'aime bien Hitbox. Il n'y a pas de délai. Quand tu envoies un message... Tu sais pas quand il va envoyer. Non, mais ce soir, en fait, c'est assez terrible. Quand tu envoies un message, deux messages à la suite, genre, il y en a un qui est par-dessus l'autre, mais pas dans le bon ordre. Ils mettent un temps de ouf pour arriver. Ouais, ça déconne pas mal, hein. Ça déconne pas mal. Mais je voulais du The Thing. Attends, du Resident Evil. C'est de l'horreur aussi, ça marche. Moi, j'ai un décalage son-image. Son avant image. Ah bon. Qu'est-ce que je fais? L'essence est enflammée. Je dois partir d'ici. Ben oui, je veux bien, mais où? Ah, là? C'est un peu dangereux ce que tu fais, mec. Ça va faire... Mais Hitbox est mieux que Twitch, même avec ses bugs. Ouais. Les bugs de Hitbox sont meilleurs que ceux de Twitch. Ils ont bien peaufiné leurs bugs. Et c'est cool parce qu'en fait, c'était bien scénarisé, quoi, ces petits scénarios-là. Je trouve ça vraiment sympa, moi. Je dois aller là, je suppose. Ouais. Hop. Dans l'eau dégueulasse qui vient des égouts, où il doit y avoir plein de zombies pas beaux. 3D deal, là. Mégane. Putain, mais j'en ai pas terminé encore. Putain, je suis tout seul, quoi. Je suis tout seul, j'ai plus mes copains. J'ai l'impression de jouer à The Thing, en fait. C'est une aventure en solo, comme dans The Thing. Herbe bleue. Mais t'as pas autre chose à me donner que de l'herbe bleue? Il y a une pile de bûches. Oh! Une herbe rouge, je veux, par exemple. Voilà. Tu peux pas me donner un petit peu d'éclairage, aussi? C'est pas que je vois rien, mais... En fait, si, je vois rien. C'est moisi et le taux d'humidité est très élevé. C'est mauvais pour la santé, ça. Il devrait être barré. Oh, oh, c'est quoi? Oh, hop! Je combine. C'est quoi ces petites combines-là? Hop, voilà. Et puis, je me barre. Je crois qu'ici, il peut y avoir des zombies au bout d'un moment, si on patiente trop. Il fait noir au fond. On entend des rats au loin. Bleh. C'est sale. C'est comme l'humidité. Mais arrêtez. Moi, je suis pauvre et je suis mineur. 3D triste. T'as l'icône de la grand-mère, quoi. C'est le meilleur avec celui de Pelé. Salut tout le monde et bonne année. Merci à toi, Myriema. Salut à toi. Et bonne année. Bananier. Alors, j'arrive où? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, faites pas... Là, vous vous dites que c'est peut-être simple et tout ça, qu'il n'y a pas de zombies. En fait, ils finissent par arriver avec le temps. Hein. Le jeu, au départ, fait toujours en sorte de vous donner une sorte de sentiment de confort. Et puis, bim, très vite, il le reprend quand on voit un zombie qui arrive. Et un autre qui le suit. Une simple poubelle. Le vent, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a aucun signe de vie, ils ont peut-être fui. Vous savez que j'aime les herbes vertes, hein. Vous le savez. Putain, par contre, comment c'est sombre. Enfin, c'est chaud, quoi. Il n'y a pas un point de... Je peux rentrer, maintenant? Il ne s'ouvre pas. Puis j'ai croisé qu'un seul point de sauvegarde jusque-là. Poisson de saison servi, oui. Ah, voilà, il commence à... Ah, c'est un copain. Ça a pas l'air d'être un zombie, lui. Ah ouais, c'est un flic. Ah, mais il y a des gens ici. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ah, 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 comment c'est arrivé? Ouh, comment? Alors toi, qu'est-ce que tu veux?
Tout le monde est partenaire en fait. C'est un peu ça. En fait, c'est que c'est très simple d'être partenaire, donc c'est cool. Normalement, il y a même une meilleure qualité, puisque comme sur Twitch, quand on est partenaire, on a accès à une meilleure qualité. Voilà. Tout le monde. Il y a moins de monde que sur Twitch. Ouais, mais du coup, il y a plus de facilité de se faire repérer. Voilà. Il y a plus de personnes qui sont de passage, qui ont vu le live, par exemple, comment dire, j'allais dire l'intro de Hitbox, mais non, la page de démarrage de Hitbox, on va dire ça. Et moi, j'y suis, en fait, assez régulièrement. Et du coup, il y a plus de personnes qui peuvent me repérer et me voir. Tandis que sur Twitch, j'étais noyé avec tout le monde, quoi. Merde, une autre barricade. Comme vous voyez, trop de rues sont bloquées. T'as une belle moustache, mec. Vous devez continuer à pied. Et au fait, qui comme moi qui commence l'année malade? Ouais, j'ai vu ça, mon bibro. Bon courage. Et ma petite apacera! Il est où le décolleté? Bon. Ah tiens, je te fais un décolleté rien que pour toi. Oui, j'ai vu ça sur Twitch, bibro. Désolé. Oh, des balles 45 automatiques. Ouais, mais. Alors, la réserve, je crois que c'est mort, hein, j'en ai plus besoin. Tu veux le faire? Est-ce que 45 automatiques, c'est pas pour mon... Ah non, c'est moi j'ai un 9 mm. Ça marche pas dedans, c'est pas compatible. Oh, par contre... Ah ça, par contre, c'est compatible avec les zombies. Schlock, fusil à pompe obtenu. Balle de pistolet? Ouais, c'est la cartouche de fusil? Oui, mais oui, non, mais oui, bah oui, éventuellement, oui. Bon, bah, je l'échange contre un... Alors, voilà, je vais prendre un soin. Ah, merde, j'ai jeté, c'est ça? Je l'ai jeté, bordel. Je croyais qu'il les mettait à terre. Cartouche de fusil, je prends. Putain, je fais n'importe quoi. Je fais nimp. Oh là là. Attendez. Non. Voilà. Non, ça je peux pas. Voilà, c'est bruit quoi. Tu n'oserais pas insulter les bruits, les sons de Resident Evil qui sont chers à cette saga? Quand même! Vous allez bien? Oui, ma petite appa et toi? J'ai trop mangé. Sur Twitch, peut-être, pour être un peu vu, tu dois avoir 1500 viewers. Pourquoi? Plus 100. Abassora, plus 100. Bonsoir. Pourquoi est-ce que ça dit? Il est où le décolleté? Ah! Après, c'est vrai qu'en termes de monde, c'est infiniment moins sur. Mais hallucinant, hein. En mélange d'herbes, ben non. C'est infiniment moins fréquenté que sur. C'est quoi ça? Clé de la réserve, non? Que sur Twitch. Genre Twitch, tu vas sur la page d'accueil, t'as le premier live, il y a genre 8 000 personnes, bim, après c'est 6 000, 6 000, 6 000, 5 000, 5 000, 4 000, 4 000, 4 000, ça, il y en a plein, des comme ça. C'est hallucinant. Tu regardes ici, la page d'accueil, t'as un mec qui arrive à faire 6 000, et après ça passe direct à 3 500, 30, 29, 10, 5 viewers, ouais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fréquenté, quoi. J'y arrivais là, mais il y a une voiture qui bloque, ouais. Et là, c'est quoi, ça? Des balles de pistolet? Mais je peux pas avoir, enfin... Non, non, mais non, je donne pas! Ah, mais oui, je peux, voilà. Voilà, et là, je mets les balles de pistolet, ici. Ça, c'est quoi? Cartouche de 45 automatique, on s'en fout. Ça y est. Ouais. Les inconscients, comment peuvent-ils nous laisser ici? Bah oui, mais... La voie est bloquée, mon pauvre monsieur. Et je vais m'équiper de mon magnifique fusil à pompe. Je suis à combien? 63% de zombicité. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Tu vas devoir continuer à pied. Ça peut sembler déplacé de ma part, quoi qu'il a dit? Je sais pas, j'ai pas lu. Un autre personnage qui tourne comme un camion-citerne. Ouais, mais en même temps, moi, ça me plaît parce que c'est
C'est Resident Evil, quoi. C'est les vieux Resident Evil de l'époque. Les vieux Resident Evil auxquels je suis très nostalgique. Du coup, quand je vois les vieux personnages comme ça, qui sont durs à contrôler et tout, c'est tellement moins dynamique, forcément, mais... Je sais pas. Ça réveille en moi la petite larme, là, qui était là, qui attendait. Les graphismes, waouh. C'est pas moche, je suis désolé. Les graphismes, c'est vieux, c'est normal. Et encore, ils sont pas moches. Pour la PS2, c'est très très correct. C'est un jeu de 2003, quand même. Hein. Il n'est pas sorti en fin de vie de la console. Il arrive à avoir des graphismes corrects. Alors, oui, je crois que je suis presque à la fin, là. En gros, il y a un train. Un train, un métro, je sais plus exactement. Je crois que c'est par là qu'il faut se barrer. Et voilà, il y a une cinématique. Il me semblait bien. Les graphismes de Fallout 4, c'est le pire. Fallout 4. Klex. Que j'ai platiné. Voilà, il fallait que je le dise. Oh, leur odeur infecte. Je ne voulais plus jamais la sentir. Ah, c'est tout? Tu m'as arrêté pour me dire ça? Ouh, ça commence à craindre, là. C'est le dernier concert de Kenji Girac. Ils sont trop heureux, les mecs. Ouais. C'est un peu fréquenté, hein. Ah oui, c'est vrai! Je m'en souvenais plus de ça. Ils sont en train de faire une petite bombe, tranquille. Eric, qu'est-ce que tu fabriques? Vite! J'essaie! J'ai presque fini. Ah, ça réveille des larmes. Alors, bravo. Oui, j'arrive à réveiller des larmes. Ah, la larme était morte. En peine de Resident Evil. Elle est revenue. Et bonsoir à toi, Luna Moonshine. Comment tu vas, Luna? Je fais quoi? Oh, mon Dieu. Il y a 1500 zombies devant moi. Que dois-je faire? Alors... Je peux faire un truc avec la statue, là, c'est normal que... Une statue particulière. Comment s'appelle-t-elle? C'est le mec, il a pas choisi son moment pour faire du tourisme, quoi. J'aime beaucoup la découpe de cette statue. Elle amène en moi... Une peine, voilà. C'est le mec qui fait ça. Alors, une plaque commémorative pour le pont piétonnier... En même temps, c'est cool parce que ça nous met bien dans le jeu, en fait, ce petit détail, quoi. Super bien, je viens de finir un dessin qui m'a épuisé, trop dur. Ah bah, je suppose que tu vas le mettre sur Twitter, celui-là aussi. Les cheveux de Manu. Qu'est-ce que vous avez tous avec mes cheveux ce soir? Bande de cheveux tophiles, bonjour! Oh non, le détonateur s'est cassé! Va activer le détonateur. Place-le à côté d'Eric. Tiens, utilise mon arme. Il m'a filé quoi? Pistolet? J'en veux pas. J'en veux pas, j'ai le mien. Mais enfin, ça peut servir si... si j'ai pu... Oh, putain! Bonjour! Ah ouais, il y a du monde, hein. Ça, c'est quoi? Je me demande si, comme dans les anciens Resident Evil, on peut les décapiter. Ah, je dirais que non. Parce qu'il fallait juste tirer en l'air et bim, décapitation. Bon, vous êtes un peu nombreux là, les gens. C'est quoi ça? Je peux pas ramasser cette chose? Bon, bah non, je crois que c'est un... poignet du détonateur. Poignée du détonateur, je pense que ça va être plutôt utile. Hop. Je crois qu'ils viennent à l'infini, donc je peux pas m'amuser à tous les buter comme ça. Voilà, poignée du détonateur, c'est bon, mais... Bon, je vais faire ça progressivement. Donc je vais aller au détonateur qui doit être... ah mais il est là. Non, c'est lui le cadavre de je sais plus quoi. Il m'a dit le nom de son pote, mais je m'excuse, hein, j'ai pas bien retenu.
Putain, heureusement qu'ils sont très cons, hein, les... Voilà, déjà... C'est quoi, ça? Plusieurs fils sont estorpillés. Je peux utiliser le détonateur. Mais je vois rien, c'est ça? Voilà. Plusieurs fils sont estorpillés. Je peux... C'est quoi fait là-bas? Il y a un truc qui brille, là. L'unité principale du détonateur. Ah! Ouh, ça commence à craindre. Hop, bon ça je peux le prendre maintenant. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je l'associe avec le meilleur jeu d'action jamais vu. Il faut que je l'associe à là, combiné. Ah, ça marche. Détonateur, bah voilà, c'est bon. Et ça y est, maintenant je trouve le cadavre du mec, je colle dessus, c'est fait. Alors. C'est bon. Ce serait un crime de sa part de les couper. Et ça, je ne fais que 5 minutes que je le vois. Montrer une photo de les cheveux courts. Ça lui est super bien. Ça va, ça se passe bien sur le live. Oh, et là, boum! Ce qu'on appelle faire un strike. Et du coup, je suis content parce que le scénario a super mal commencé. Bah, je veux dire, quand même, là, on en était à... À deux personnages qui sont morts dès les 15 minutes, ouais, 15-20 minutes du début de la partie. Donc voilà, mes deux potes sont morts, je suis tout seul. J'ai passé l'âge. J'avais plus de munitions, je galérais avec les soins. Mais ça va. Et je crois qu'en fait, à chaque épisode, comme ça, il y a une fin différente en fonction de la façon dont vous avez réussi. Si par exemple, vous avez maintenu tous vos personnages en vie, il y a une bonne fin. À ce moment-là, je pensais que tout était réglé. J'ai vite réalisé que c'était pas la fin, mais le début. Le début d'un cauchemar que je veux oublier. Ouais, c'est bien quand je le fais avec ses doigts. Dit-il en replaçant sa crinière. Manu, puisque j'ai pas le droit de dire papa. Je dois me contenter de... L'armée a donc envoyé une unité d'enquête sur la place et a décidé de mettre la ville en quarantaine. Donc en plus c'est cool parce que ça donne un petit peu de background voilà, à l'histoire originelle de Raccoon City. Quoi. On apprend des choses en plus. Voilà. Si Manu coupe ses vaches, je me coupe une burne. Tu crois que tu le ferais? Moi, je le fais en live, hein, si je le fais. Bon, voilà, rendez, évidemment. Donc, 41 minutes seulement. Alors que j'ai commencé le live à 21h. Bizarre. Survivant 1 sur 3. Objet SP, oui, donc ça, c'est le truc que j'ai trouvé près du stand de fléchettes, là. Ça me donne droit à des objets, je l'ai dit, des skins, des choses comme ça. Taux de réussite événement 38%, donc je sais pas ce que ça va vouloir dire. C'est peut-être sauver des gens, je sais pas quoi. Donc, sans blessure, sans arme, c'est mort. De toute façon, ça serait super chaud à faire. 1 sur 2, ouais, mais comment je fais pour aller sur le 2? Ah, voir liste des événements. Ah, c'est ça, donc voilà, les événements. Donc, clé de la salle personnelle utilisée. Clé de l'étiquette bleue utilisée, mais on est obligé de le faire, ça. Porte emplacement bloqué vu. Corbeau entré dans le salon. Voilà, donc c'est ça les taux de réussite. Journal obtenu. Zombie vaincu en ayant survécu. Détonateur activé. Essence enflammée. Un niveau bonus a été déverrouillé. Un nouvel objet a été ajouté au menu. D'accord, très très bien. Et donc il n'y avait pas de boss. Pas de boss final donc. Alors peut-être que c'est parce que j'ai mal joué. Là, j'ai gagné plein de choses. Alors je pourrais pas dire parce que je confonds, je fais un petit peu la confusion avec le premier
enfin, entre le premier Outbreak et le second, je sais que dans le second, par exemple, il me semble, ouais, systématiquement un boss de fin de chapitre, qui était cool d'ailleurs, hein. Je rappelle que Resident Evil Outbreak 2 répondait à la question qu'on faisait. On a dû tous se poser un jour, c'est... Et les animaux, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans un zoo quand il est en proie à l'infection d'un virus qui transforme les choses en zombies? Et bah lui, il répondait à ça, et le boss de fin, c'était un éléphant ou un lion, c'était badass, c'était classe. Et bonsoir, OMG, Galactic Gaming Saturn 69, tu as un pseudo un peu trop court. Comment tu vas? Lui, mais il manque XX à la fin, c'est du broski. Je me disais qu'il n'y avait pas assez de lettres. Y a pas d'anime de follow? Non, j'ai pas d'anime de follow, moi. Du coup, tes cheveux. En fait, Clex, tu stream lundi, ma poule, comme ça. Or, qui stream ce soir, en plus. Donc, l'enfer. Voilà, je vais faire le second scénario, j'aurai pas le temps d'en faire un troisième. J'aurai même pas le temps de terminer celui-là, mais tant pis. Et je vais changer de personnage, je vais prendre Clex. En l'honneur de Clex, je vais prendre Clex. Donc, nous avons échappé aux zombies et trouvé une usine souterraine gelée. Que cachent les cris de douleur au loin? Mais oui, que cache-t-il donc là? Voilà. Alors là, j'avais un Klex, mais j'avais un Klex aux hormones. Là, on va prendre le vrai Klex, celui qu'on connaît tous. Et à part la blonditude, franchement... Voilà, donc lui, son truc, sa capacité, c'est que les ennemis l'attaquent rarement. Bon, ça peut être pratique, hein. Moi qui passe mon temps à esquiver comme ça peut être très pratique. Je me cantonne à samedi, mercredi. Mon père m'a dit que cette chaîne était bien. Il fait des vidéos. Ah ok, Galactique, bah, tu remercieras ton père. Je suis très surpris. C'est bien la première fois qu'on me dit ça. Oh, GG, la chaîne est très bien. Oula! Enfin jusque là, je crois que les papas qui regardent la chaîne ne communiquaient pas trop auprès de leur fiston. Tu remercieras ton papa. C'est quoi son petit nom? Ouais, c'est quoi son pseudo? Il fait des lives sur GTA et sur YouTube. Alors, me voilà! Alors, cette fois-ci, j'ai avec moi Alissa, Georges. Donc, Georges, le médecin. Alissa, je sais pas ce qu'elle sait faire, je crois. C'est pas elle qui. Non, c'est pas elle. Si, c'est elle qui peut déverrouiller les portes. Ça, c'est cool. Et l'autre, là, l'Asiate, qui peut transporter plus d'objets, donc c'est pas super utile pour moi. À la limite, je peux m'en servir comme porteur. Voilà. Lord. J'ai pensé pareil. Or, si j'ai... Tu n'as jamais pensé à poser pour les revues? Je te trouve super canon, désolé. Fallait que je le dise. Pour se cacher. Merci, Myriam. Si c'était l'ordre, ce serait pas YouTube et encore moi GTA. Anthony, on a un truc du genre. J'ai jamais fait attention. Mais c'est quoi son pseudo galactique? Bon! Ah oui, je m'en souviens! C'est pas les trucs avec les tics de merde là? C'est risqué d'y retourner. Il me semble que les ennemis dans ce niveau sont des tics et que c'est juste des saletés. Ça n'a rien à voir avec les zombies qui, pour le coup, sont même assez simples à gérer. Mais comment t'as évité ma phrase? Non, je t'ai remercié, c'est gentil. Non, non, je n'ai pas de projet de magazine là pour l'instant. Il y a Anthony, puis d'autres mots, mais je sais plus. Oui, rebonjour, je reviens subitement. Re, Megan. J'ai l'impression quand même qu'il est plus rapide de le... Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, je crois que c'était moi qui avais tiré quoi. Monica? Je ne pensais pas te revoir. Après ton petit désagrément, je pensais que tu allais... te cacher comme la gamine que tu es. C'est quoi cette capsule? Attends, attends. Tu cherches ça aussi? Oh, tu es très... Tu es très... Arrête! Je ne comprends pas de quoi tu parles. Ne joue pas les innocentes avec moi. Tu perds ton temps.
Tu ne me rouleras jamais. Mais il y a peut-être une solution. Donne ta carte d'identité. Ok, elle lui taxe sa carte d'identité, c'est cool. Yoko, tu me sauves. Je suis tellement contente de te revoir. Très bien. Et ça aussi, c'est cool. C'est quand, en trois quarts d'heure, une heure, on a vraiment le temps de se faire un scénario complet. Voilà, c'est juste des petites histoires comme ça, mais c'est sympa, je trouve. C'est dommage que Capcom n'ait pas continué avec les Outbreak. Qu'est-ce qu'elle a ramassé, elle, là? Putain, c'est trouvé un flingue. Putain, elle s'est jetée dessus, quoi. C'est jour des soldes. Putain, un flingue. Hop là. Alors, donc, un ascenseur, le panneau est cassé. Vas-y. Non. Non. Il est à moi. Alors, c'est quoi, ça? Pièce. Pièce que Jim garde toujours dans son porte-monnaie. Et je peux jouer à pile ou face. Et je fais quoi? Je le fais... je lance à la gueule des zombies. Ça m'est utile en quoi? Ou alors c'est ça qui lui porte chance et c'est ça qui fait que les zombies l'évitent. Enfin, l'oublient, quoi. Je sais pas du tout. Est-ce que je peux... Par exemple, je pense... Hein, là, Non, je peux pas le déplacer. Équiper, recharger, combiner... Non, je peux pas. Si je pouvais remplacer ma pièce pour un truc un peu plus utile, je pense que je dirais pas non, quoi. Bon, je vous laisse, bonne soirée. Des bisous à toi, Vibro, et soigne-toi bien, quoi. Soigne-toi bien. Ça, c'est quoi, là-bas? C'est l'escalier? Non. Non. C'est censé être mon perso, ça? Bah ouais. Quoi, t'as pas des pièces sur toi? Moi, je trouve que... Il y a une ressemblance. Le let's play préféré de mon papa, c'est des Chibi Robo. OMG! Mais donc, ton père, vraiment, suit la chaîne depuis super longtemps. Ouais, Chibi Robo, c'était cool. C'est dommage, je l'ai pas terminé, quoi. Ça m'a tellement gavé que je l'ai pas terminé. Ah, mais je suis content, il y a quand même des personnes qui apprécient les jeux particuliers que je fais. Ouais, Chibi Robo, c'est pas le truc le plus connu, quoi. Est-ce que ton papa a une moustache? Non, Klex, ce n'est pas Mario. Klex, il va faire un qui et qui. Ok. Est-ce que ton papa a une cravate? Ouais! Clac, clac, clac. C'est Staline! Zut! Oui, mais il a pas de con, sauf les trucs Google. Mariama, tu as quel âge? Passage sud, niveau moins 7. Très bien. Pour l'instant, c'est un peu l'ennui. Je vous assure que quand les espèces de tics dégueulasses vont arriver... Putain, je vais regretter le calme de cet endroit, quoi. Et oh, c'est où, là? C'est quoi, ça? Honnêtement, moi, si j'étais à leur place, je reste à l'endroit où il n'y a rien, il n'y a pas de zombies, quoi. Oh, putain, j'ai vu un truc. Ça... Salle des ordures niveau 7. Moins 7. Putain, autant c'est Lord. Oh, elle, ça va, elle me suit bien. Par contre, Yoko, elle fait sa vie tranquille. Hein. Herbe rouge. Oh, oui, je veux. Hop. Alors, oh, il y a un monsieur dedans. À travers le verre épais, je n'ai pas pu lire. À travers le verre, je vois ce qui se passe à l'intérieur. Bah oui, merci, j'avais vu. Mais je vois un monsieur qui a l'air vivant. Ou alors c'est un zombie. Non, mais c'est pas du tout... Enfin... Hop là, non, il est pas très vivant en fait. UMB 3... Ah.
Vite, sors, il va pas pouvoir me suivre le truc là quand même. Je peux pas le faire cramer ou le compacter, je sais pas. Bon, j'ai ramassé quoi? L'UMB numéro 3. Ah, c'est un peu comme le premier Resident Evil, ça, où on faisait une formule chimique. On concoctait une formule chimique pour nous faciliter la tâche contre un boss. C'est Lord cramé. Non, il préfère le métal. Ah, mais c'est Lord. C'est Lord, c'est pas vrai. Est-ce que ton papa ressemble? Il est complexe. Moi, je pouvais pas le faire, je suis... Voilà, je n'ai pas les icônes de Lord. Il rigole, il me dit que non. Et attends, c'est quoi ça, là? Tuyau de fer. Ouais, non, parce qu'en fait, je vais essayer d'éviter les zombies au mieux. Vu que les zombies vont m'éviter, autant être respectueux envers eux. Voilà. Eh, mais c'est incroyable, pourquoi c'est si sombre? Je vois... Il y a un fax. Ah, j'ai... D'accord. Le fax. Non, mais le vrai fax, vous savez, sous le bras. Il y a un fax, le prendre? Ok. Il se marre comme ça avec son fax. J'ai pris le téléphone aussi. Ah. Bonsoir, Bilouré. Vous avez eu ça. Il y a des ressemblances où vous avez eu ça. Mais c'est Lord Bater, oula. Apasora, salut, bah, ma live. Oh, mon Dieu, salut, Apasora. Ça fait longtemps. Oh, toi, monsieur. Et je ne veux pas mourir. Besoin d'un spray de premier secours. Tiens. Non, pas toi. Je te le donne pas à toi. Alors, peut-être qu'en fait, il faut lui donner un spray, que le mélange d'herbe, il le veut pas. Mais va te faire foutre. Enfin, quand même. Ah. Une plante. Une plante avec... Est-ce que je vais au bout de ma pensée ou pas? Non, je pense que vous avez compris, en fait. Bonsoir, Bamel. Bonsoir, Clex. Tu as vu, j'ai un sapin derrière moi. Il live quand, Lord? Alors, il live pas en ce moment, là? Enfin, non, il a dû s'arrêter maintenant, je suppose. Il faisait du Singularity ce soir sur sa chaîne. Un jeu que j'avais trouvé vachement cool d'ailleurs, moi. Ça c'est quoi? Je peux activer ce machin là? Non, je ne peux pas. Oh, le Spain! Ok. Je vous dis bonne soirée les gens. À toi aussi, beau gosse. Je reviendrai quand j'aurai plus de temps, ciao. Bah, avec plaisir, Myriama, c'est gentil d'être passé. Des bisous à toi, une bonne nuit. Ou une bonne soirée, au choix. Et à bientôt. Le tapin. Le lapin. Oh, j'avais pas vu le lapin derrière toi. Un jour, je vais le faire. Je vais faire un live avec un lapin. Alors, j'ai trouvé une salle qui est grande, qui est trop grande, que j'aime pas. Un plan du laboratoire a été copié sur votre carte. Mais je m'en sers jamais, moi, dans les jeux, des plans comme ça. Oh, c'est quoi, ça? Bouteille de produit jaune. C'est de l'urine des zombies. Prêt, le premier secours. Mais dégage. Alors peut-être que... Est-ce que je peux leur lancer le produit jaune à la gueule? Ah oui, je peux. Ah, mais... C'est quoi ce bordel? J'en avais ramassé 3. Oh, putain, il est déjà mourant, lui. Hop. Alors... UMB numéro 20, plus UMB numéro 3, plus VP du 17. Ah d'accord, donc va falloir créer un herbicide pour la plante Vaginus. Poc. Hein. Ah, ah. Bien visé, mec. Bien visé. On dirait moi quand je vise. Je veux... Putain, mais c'est certain. Ah, vache, bébarre-toi, bordel. Et si j'allais donner l'herbe. Mais elle est où? Ah, là, ça, là. Le spray de premier secours, j'allais le donner au gars qui est là-bas. Ça y est, ça commence à être la merde. Ouh.
C'est là, hein, je crois. Ouais, il me semble que c'est là. Le lieu où il y avait le canalisation. Ouais, je crois que c'est ici. Le lieu où il y avait le mec qui était un petit peu mourant, là, qui me demandait un spray. Peut-être qu'il va m'aider, en plus, si je le soigne. Bonjour! Besoin d'un spray de premier secours. Tiens, je te le donne. Vous m'avez sauvé. Tenez, en guise de remerciement. Ah bah putain, ça valait le coup. Tiens, je te le donne ça à toi. Donne, tiens. Tiens. Hop. J'ai voulu lui faire la blague. Ça n'a pas marché. Ok, bah j'ai un fusil à pompe. Mais ça, c'est la classe. D'accord. Et en fait, tu dois tuer cette plante pour pouvoir grimper à l'échelle. Et donc concocter un produit chimique. C'est qui Lord en fait? Ah mais Lord. On l'appelle le roi des streamers. On ne sait d'ailleurs pas s'il est réellement réel ou pas. Voilà. Certains pensent que c'est encore un mythe. Moi je pense qu'il existe. J'ai une carte qui me mènera à lui. Un jour, je trouverai Lord Bater. Just Cause 2. Oh, tu joues à Just Cause 2 ce soir. Camion. Mais il y a les camions de Just Cause 2. Sauf que seulement tu les conduis du dessus, sur la cabine. Voilà, t'as pas besoin d'être dedans. Il va se réveiller lui ou pas? Oh putain, ça me plaît. Hop là. Herbe verte obtenue. Je crois pas que j'ai loupé de produit. Donc là, j'ai un produit que j'ai récupéré. Il m'en manquerait un, parce que l'autre a l'air d'être là de base, vu qu'il n'était pas vert. Oui, les olives ont déjà trouvé, Manu. Révélation. Quoi ? Oui, les olives l'ont déjà trouvé. Je ne sais pas de qui vous parlez. Hello, Lazy. Ouais, moi je trouve bizarre quand même. Coucou et bonne année. Bonne année, Lixy. Bonne année. Ça va bien, tu sais, t'es revenu de vacances dans cet endroit idyllique où tu devais te rendre. Espèce de chanceuse. Bon, moi ça va, hein. Je me suis rattrapé sur la bouffe. C'est Sicure, le fils de Lord. Ah, punaise! Putain. Oh. Eh! Oh merde! Eh! Elle est morte! C'est devenu un zombie, elle! Ah bah, tu m'étonnes que je la voyais plus depuis un petit moment. Bon bah... Je crois que je l'aurais vue dans mon équipe... vraiment 2 minutes. Puis elle est morte. Putain. Voilà. What the hell? Ah, elle a trouvé un truc, je crois. Elle a trouvé 2 flingues. Écoute, ça t'éclate, hein. Et moi, j'ai trouvé une bouteille de produits gris. Alors ça, c'est cool parce que je peux leur balancer à la gueule aux zombies. Ils aiment pas. Là, j'ai trouvé... Oh, un ordinateur. Terminal de contrôle. Il y a un DVD à côté. Est-ce que je peux le prendre? Terminal de contrôle pour cette pièce de stockage. L'activer. Saisissez le code d'accès. Je n'ai pas de code d'accès. Une étagère vide. Donc Lex, il lance des rumeurs sur le fils de Lord. On cherche le papa de... C'est le grand lanceur de... Des rumeurs de toute la communauté ever. Ouais, Lex, une vraie gardienne, quoi. Une vraie concierge. Pardon. Une étagère vide... Je sais pas quoi faire. Ça? Je suis censé récupérer où ce code, moi? Est-ce que, éventuellement, il y aurait eu un fichier que j'ai pas vu? Fax? Fax de l'ennemi. Ah non, ça c'est autre chose. Fichier. Ah merde. Mais non, mais pas ça. Ah voilà, fichier. Non, décidé. À la porte. L'année prochaine. Oh! 0634! Très bien, c'est bon, copine, j'ai trouvé la clé. 0634, c'est son numéro. Okay.
Oh, j'ai fermé des trucs, j'en ai ouvert d'autres. C'est la magie, hein, cette salle d'archives. Et donc, un autre produit, l'UVB, échanger objet. Ah ben non, je veux pas l'échanger, moi. Est-ce que je peux le mélanger maintenant? Ah oui, ça marche! Le Vigilt. Ce produit permet d'exterminer les plantes infectées. Ce qui veut dire que normalement, en fait, je peux tuer la plante qui me coupe l'accès à l'échelle. Il y a aussi ce 30... Plop twist, je suis ton père. Bon bah, en tout cas, on peut dire qu'elle, comme elle me suit pas mal, Alissa, je crois qu'elle s'appelle, du coup, elle est restée quand même plus en vie que même Kevin et Cindy du tout premier chapitre là. Putain, je reviens pas de la vitesse à laquelle je les ai perdus. Et je leur avais filé des soins et tout, hein. Elle, je m'en suis pas occupé. Au contraire, j'ai même essayé de lui. Mais lâche-moi. J'ai même essayé de lui piquer une arme. Oh merde, ça se passe mal. Ah là là, on est deux boiteux. Putain, les zombies disparaissent, j'ai pas vu ça. Et moi, je suis en pleine hémorragie, quoi. Je sais pas ce qu'il faut faire quand je suis en hémorragie. Je crois que ça passe tout seul au bout d'un moment. Je vais mourir. Ah, quelle heure il est? Ouais, ça va, allez, il reste pas beaucoup de temps. Je vais même pouvoir mourir tranquille. Bonsoir tout le monde, bonsoir Agathe et Nels. Klex, arrête de faire ta curieuse et laisse les enfants tranquilles. Putain, j'avoue, Klex, tu fais toujours pareil aux enfants qui viennent. J'ai 6 ans et demi. Ouais, ok, en fait, c'est Lord. En fait, c'est même pas l'enfant de Lord, c'est Lord. Ok, c'est bon. Oui, bah oui. Hein? Bon, je file, bye. Bye, Véronique. Ici, j'ai 14 ans. C'est Klex? Ah non, c'est Cœur. Parce que Klex, il a vraiment 14 ans. Oui, donc c'est bien Lord. Oui, c'est Lord. Évidemment que c'est Lord. C'est Lord qui fait de l'humour. Après, il se fait passer pour son fils. Oui, mais il est habitué. Il fait ça pour aller à la cantine et piquer quelques ingrédients pour ses super plats. Alors, il est mort lui du coup ou pas? Parce que je m'en suis occupé quand même. Je l'ai chouchouté. Soyez prudent. Non, il n'est pas encore mort. Alors, est-ce que je peux utiliser ça? Non? Est-ce que je peux l'utiliser maintenant? Ah! Tentacle! C'est quand même très troublant cette chose au milieu, la rose. Je suis désolé, mais il y a quelque chose, c'est bizarre. Le fils de Lord qui est pas ça. Mais non, c'est pas son fils. Alors, qu'est-ce qu'elle a sur elle? Elle a une herbe bleue. Bah vas-y, tu vas faire quoi avec ton herbe bleue? Elle a des flingues, mais pas de balles. J'aurais pu lui donner de mes balles à moi. Mais vu qu'elle a choisi de se barrer toute seule avec ses deux flingues, bah non. Moi j'ai 116 ans. C'est pour ça que tu es si sage, Bilouret. La sagesse de l'âge. Tiens, je te donne mes balles. Ah, là tu reviens en boitant, hein? Hein? Ah oui, donne-moi des balles, oui. Ah oui. Hop. Ah là, et puis elle recharge, vous avez vu, elle avait perdu son arme. Enfin, elle l'avait plus équipée, c'était plus utile. Elle l'a rééquipée et tout. Ouais, l'intelligence artificielle est pas si pourrave. Sauvegarder, non, c'est pas utile. Qu'est-ce qu'elle fait? Qui lui est arrivé? C'est pété la gueule? Ça, c'est quoi, hein? Le trou sert à insérer un objet. J'ai bientôt 22 ans maintenant. Oh! Caméra, vous êtes filmé, attention.
Oh, zombie! Attention, oui, pour l'instant il bouge pas, mais ça va pas durer. C'est quoi ça? Pistolet? Six-Horror? Ah, c'est elle qui fait ce bruit là? C'est quoi ça? Clé à molette gelée. Est-ce que ça change quelque chose, ça, tu vois, gelée ou pas? La porte a été défoncée. Très bien. Oh! Puis elle lui fonce dedans, il n'y a pas de problème. Allez, viens, copine. Il me semble que pour aller plus vite... Voilà. Merci. Tu peux faire ça. Et ça, c'est... Eh, mais c'est pas un zombie, lui. Ah, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu fous, là? Bah oui, Yoko, elle était pas avec moi. Au début, c'était lui. Putain. Je me retrouve avec deux personnages. Ils sont en danger, tous les deux. Lui, s'est barré. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a été faire sa vie tranquille. Logiquement, il aurait pas pu atteindre la plante parce que, bah, il avait pas le produit. Qu'est-ce qu'il fout là? Putain, quand je vois l'intelligence artificielle, c'est quand même un peu limité, quoi. Arrêtez de parler de mon papa, je comprends pas. Ça fait bizarre parce que... Non, je ne dis rien. Rien du tout. Bon, alors, il n'y a que la fille qui boite, hein, évidemment. Bah, il boite pas mal, lui, là. Ouais, si, quand même. Bah, moi, je suis pas en bon état, hein, faut dire. Alors là, il y en a peut-être un qui va se trouver un objet de soin. Et qui va vouloir en faire quelque chose. Alors là, il y a quoi, hein? Ce trou sert à insérer un objet. Putain, mais pourquoi il s'est barré, lui? Enfin, quel intérêt il a eu? Il a été faire quoi? Et déjà, comment il a fait pour venir ici? Ah! Saisir le code d'accès. Je l'ai pas. Je crois que je ne l'ai pas. Je pense pas avoir le code d'accès. Là, c'est quoi là-bas? Ah bah. Preuve qu'ils sont complètement cons, c'est que voilà, il y a un spray de soins qui traîne, et il n'y a aucun d'eux qui a pensé à le ramasser. Donc je vais leur donner, c'est le premier qui arrive à le choper. Le premier! Allez, allez, allez! Ah! Et c'est Georges, cette espèce d'enfoiré, de lâcheur, qui l'a eu. Et voilà! Maintenant qu'il est soigné, il va se rebarrer tout seul, il va faire sa vie. Ah putain, j'ai vraiment cru qu'il allait prendre la porte. Genre, merci de m'avoir soigné, connard! Salut! Bon. Ça, je peux interagir avec? Non, je ne peux pas interagir avec. C'était guest 52 millions sur les quiz de Bomb Party, son père, en fait. Bye Galactic Gaming Saturn. Alors lui il a trouvé quoi? Oh putain, l'autre il se réveille là. Alors, normalement je jouerai pas comme ça, hein. C'est vraiment parce que... Je sais que la partie est foutue, que c'est en fait la fin de live et tout. Et voilà, logiquement, j'économise un peu plus mes munitions, quoi. Bien qu'avec avec l'intelligence artificielle, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que... Ils finissent forcément, j'ai l'impression, par se bouffer les zombies. Enfin, c'est plutôt les zombies qui les bouffent, mais bon, vous avez compris ma logique. Bonne nuit, compte qui sème le doute. C'était Lotari, c'est sûr. C'était Lord chez Lotari. Oh mon dieu! Allez où l'autre? Bon, ça y est, ça commence à aller mieux quand même, parce que... Tiens, je te donne ça. Tiens, il dit viens, je te le donne, il est à toi. Ok, lui, il a même trouvé un couteau et tout. Il a quoi? Médicaments. Soigne une petite partie de vos blessures.
Ah, par contre, voilà, elle a un soin, mais... Ah, j'allais dire quand même, l'utiliser, c'est une bonne idée. Mais non, non. Un évier sale, l'eau est encore tiède. Ouais, ouais, effectivement, l'eau est encore tiède. Et même bien chaude, il y a de la vapeur et tout. La table est sans dessus dessous. Distributeur, tout a été vendu. Ah, une télé. Le moniteur n'affiche rien. Je peux pas changer de chaîne. Verrouillé par un cadenas. Ah. C'est quoi? Antivirus? Ah oui, alors ça je m'en souviens. Antivirus, c'est sympa, c'est que ça va geler pendant temporairement mon virus qui est en progression constante. Là je le prends. Hop, voilà. Il est gelé pendant quelques temps et puis après il va redémarrer évidemment. Mais ça peut être utile. Ah, qu'est-ce que... Voilà, tactique du traître. Son personnage, hein, c'est celui qui ne se fait pas voir et tout. C'est le personnage discretos. Mais je sais... Il n'y a pas un code? Parce que visiblement, je cherchais un code. Là, je dois aller où? La table est sans dessus, dessous. Qu'est-ce que je m'en fous? Je sais pas... Là... Ah! Il y a basket légère! Ouais! Des Nike. Le moniteur n'affiche rien. Évidemment, quand c'est des objets bleus comme ça, c'est des objets spéciaux qui servent à débloquer des trucs. Hein. Je le rappelle. Bon, il y a peut-être un truc du côté de l'évier sale qui fait de la vapeur. Peut-être qu'en fait, non? Ah, mais attendez! J'ai une clé à molette gelée. L'eau chaude a fait fondre la glace, c'est bien ça. Une simple clé à molette. Je veux le mettre là où il y avait un trou au milieu, mais non, ce serait idiot. En plus, toi, tu trolls, donc tu me trolls. Qu'est-ce que vous dites? Seeker, on t'a grillé. Clex me dit tout à MP. Moi, je crois que je vois Seeker. Donne des preuves. Cramer le fake. Sérieux, c'était Seeker? Ils disent que c'est moi, mais c'est faux. T'es bien Nodo du 38. Bah, moi, je t'ai fait un don. Encore? Merci, Poussinette. Bon, un distributeur, rien d'intéressant. Voilà, c'est QFD. Ce qu'il fallait démontrer. Alors j'ai... Ouais, j'ai des... Alors j'ai une clé à molette. Je vois pas où l'utiliser. Il y avait bien un truc où il y avait un trou au milieu, mais je peux pas... Ouais, clé à molette, je peux pas rien faire avec ça. Ah, j'entends des bruits. Bon. Ah oui. Tiens. Alors ça, là... ça? Ah non. Attends. Ce trou sert à insérer un objet. Mouais. Tu me dois 5 euros maintenant. Si. Oh! Ah ouais, c'est là. C'est là où il y avait la caméra. Bon, puis en fait, lui, je m'en fous. Poc. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout ici? Normalement, il y avait juste la plante, là. Il y avait personne qui pouvait venir d'ici. Je pense que c'est complètement aléatoire, hein, la manière dont les zombies prennent les portes. Alors là, est-ce que ma clé à molette peut faire éventuellement quelque chose ici? Non! Elle ne peut pas! Mais c'est pas très grave parce qu'il est 23h. Et que donc j'ai terminé. Ouais. Bon. Je les attends mes 5 euros Manu. Mais t'es quoi? Je ne comprends pas. Argument.
Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, ça y est, vous êtes encore en train de. D'essayer de démontrer que Seeker était bien galactique, je ne sais pas quoi. Stop de troll. Oh, c'est passé vite. Ah, je sais pas pourquoi, moi j'ai eu du mal là ce soir. Bon, allez! Ah bah, on se donne tous rendez-vous chez Klex, ouais! Le mec essaye de donner un petit peu de panache. Mais ouais, j'ai du mal là, en vrai. Je crois que j'ai encore le contre-coup de la bonne année, c'est dur. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu, Resident Evil Outbreak. Moi, ça m'a ramené quelques souvenirs de on finit chez Klex. Ah, j'ai rien fait. Quelques souvenirs de l'époque où bah, Resident Evil, c'était une licence qui était encore porteuse et tout à fond. Et que j'avais passé tellement de temps là-dessus. Et surtout le 2, je vous le rappelle, hein, le 2, il était jouable en ligne et tout, c'était tellement bien. Et j'espère que dans l'esprit, vous avez compris un peu le truc. C'est un Resident Evil classique ici avec une gestion d'intelligence artificielle, c'est tout. Mais malgré tout, c'est cool. Voilà. Allez, je vous fais des bisous à tous. Merci d'être passé. À lundi pour la suite de The Thing. Et puis c'est tout. J'ai regardé la rediff, moi, pour être sûr de ma quality. C'est qui mon fils, pardon? Clavier QWERTY. Clavier QWERTY. Oh mon dieu! Il s'est trahi, c'était donc lui. Bonsoir, Klex. Bonsoir, Lord Butter, et bonsoir. Bon. Ah putain, en plus, regardez, il a mis un code à décrypter. Bon, C4-E-S-E-A-U-I. J'abandonne.